Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est votre pote Trafi, champion du monde de street football et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau tutoriel. Aujourd'hui on va apprendre un geste que j'affectionne énormément, un geste que j'utilise beaucoup, il s'agit du Ni Haka. Et si vous vous êtes bien entraîné sur le Ici Haka, alors ce sera encore plus facile pour vous. And I'm talking about some green stacks. In the middle with a sector to check your wetcher and lean back. Yeah, and it ain't no stopping me when I'm copping G's and they watch me while I'm watching them and they wonder why they really can't rock with me. I gotta shine. Alors la première étape est tout ce qu'il y a de plus basique. Comme pour le ICAK, vous avez juste à faire un flick up pour lever le ballon. Pour la seconde étape, c'est différent. Cette fois-ci, vous allez devoir décaler le ballon sur le côté de votre pied fort et non vers l'avant à l'aide d'une petite touche du genou. Pour cette troisième étape, après avoir levé et décalé le ballon, vous allez frapper le ballon façon coup de pied afin de l'envoyer directement dans les filets. Donc 1, je lève le ballon assez droit en faisant un flick up. Secondo, je décale le ballon sur le côté à l'aide d'une touche du genou afin de contourner l'adversaire sans forcément me déplacer. 3, je frappe le ballon façon coup de pied afin de l'envoyer directement dans les filets. C'est la fin de cette vidéo, chers amis. J'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, j'espère surtout que ce geste vous servira en situation de match. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires et à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi à me dire quel geste vous voulez apprendre en commentaire. Et d'ici là, chers amis, bah, je vous dis à la prochaine. Bye!